Bonjour à tous, ici Cléassim, mais on se retrouve pour ce 40e épisode sur RimWorld, toujours en compagnie du chat. Actuellement, on a surtout Rafa et Tiberians qui sont actifs. Et dans le jeu, nous avons toujours Bedi-Tok, Alès, Tiberian, Sakura, Rose, Narcisse et Valkyrie, ainsi que Rafa, qui a rejoint la colonie dans l'épisode précédent. On a capturé également Vort et Mitsuya, qui changeront de nom bien évidemment, et qui viennent de cette petite zone ici, dont on a commencé à démonter certains éléments pour les rapatrier ensuite. Faudra faire attention parce qu'on risque de se prendre les toits sur la tronche d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait... On va peut-être faire un peu attention parce que ça risque de s'effondrer, ce qui pourrait être un peu dangereux. Donc on va peut-être annuler la destruction des murs dans un premier temps. Histoire que si nos colons pouvaient éviter de se prendre des murs sur la tronche, ça serait sympa. Alors, bah pour l'instant, en termes de température, on est pas mal, hein. Ça tient à peu près. Ah, Mitsuya Higiri. C'est un politicien et un scientifique. D'accord, c'est plus esclave, c'est scientifique. Waouh! Dis la panthère, là tu commences à être sérieusement casse-pied, à défaut d'être autre chose. Mettre en dressage. En dressage et en nettoyage, comme ça Rafa s'occuperait des animaux et ça devrait être pas mal ça. Alors, Mitsuya, aptitude, tireur prudent, d'accord, révulsion, révulser des produits stupéfiants, ok, cupide, d'accord, elle veut une chambre vraiment impressionnante, ok, bon, pourquoi pas. Et de ce côté-ci, noctambule psychopathe, bon, minage surtout, intellectuel aussi, c'est pas mal, pourquoi pas, médecine aussi, très bon médecin. Par contre, vengeance d'un sanglier. Mince! Qui est dans le coin également? Bon bah voilà, ça c'est réglé. Alors, ouais, il y a des soucis comme ça. Où est à l'aise? Bon, quelques blessures, mort dans 20 heures, ça serait bien quand même qu'on secourt. Ce serait la moindre des choses. Le sanglier s'est pas laissé faire, Saligo. Est-ce qu'on aurait un autre sanglier dans le coin? Il y a des capybaras. Ça c'est un sanglier, ok. C'est rare que les sangliers se défendent, mais là, celui-là, il a pas laissé l'occasion, hein. Ok. C'est bon, on arrivera à s'en sortir. Ça commençait pas très bien là, pour le coup. Faudrait qu'on équipe Rafa d'une arme d'ailleurs, parce qu'on lui a pas donné d'arme. On a des fusils. Bedi-Tok a son arme, Alès a son arme, Tiberians a son arme, Rafa n'a rien. Pour l'instant, c'est normal. Donc, il faudra que Rafa équipe. Est-ce que Rafa est bonne au tir? Oui, donc un fusil à distance sera parfait. Chance d'infection de la chambre 63%. Alors, est-ce qu'il faudrait pas faire un sol? Un sol antibactérien.
Je crois qu'ils vont. Ça va être obligatoire pour le coup. On va en avoir besoin et faire ici un sol en bois. Parce que si on peut éviter. Alors bon, c'est toujours un peu le problème d'avoir un sol fait avec de l'argent et du fer. C'est que ça coûte extrêmement cher, mais au moins si on peut soigner tout le monde sans que ça pose de problème. Comment terminer? Faire une petite sculpture. On a une sculpture en bond qui vient faire son apparition. Parfait. Elle va pouvoir rejoindre ce qu'il faut. Et Béditoc en est où de ses aptitudes? Il est quasiment. Il progresse bien, hein. Il fait le taf. Et on a donc, alors, voyons voir la chambre. Taille moyenne, etc. Ça, c'est bon. Et j'allais regarder ça. Et chambre, chance d'infection 60%. D'accord, elle a diminué. Donc, on aura moins d'infection dans cette chambre-là. Ce qui est très bien. C'est pas encore ça, mais alors déjà, une bonne nouvelle. Il n'y aura plus qu'à aller chercher tout ce qu'il y a là-bas. Et si possible, terminer ici une zone de combat pour pouvoir accéder à ce qu'il y a au sud. Il y a toujours cette panthère femelle qui pose problème, mais les panthères, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à tenir. Ok, on soigne. C'est parfait. Allez, on va pouvoir accélérer un petit peu. Passer le temps. Narcisse, tu vas te mettre à quoi, Narcisse? Ok. T-shirt, ok. Donc certains pourront commencer. Alors j'aimerais bien faire des sculptures. Pas en bois pour le coup. Mais qu'avec de la jade pour voir tirer un peu du prix. Parce qu'on a de la jade ici qui peut être minée. Ça pourrait être intéressant d'en récupérer. Ça diminue quand même pas mal, hein. Bon, c'est que 1% par 1% à peu près, mais tout le nettoyage qui est réalisé n'est pas en vain, quoi. Donc alors le problème du plancher en bois, c'est que si ça prend feu, bien sûr, là, on sera pas très bien, mais bon, pas le choix, pas le choix. Hein. Que fait l'éléphant ici? Que fait Barney? Bon, on est en train d'apprendre des choses à nos animaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, quelques domptages qui échouent, Rafa qui a du mal, hein, mais il faut gérer tous les animaux, hein, donc ça fait des choses à gérer quand même. Par contre, ouais, il faut quelqu'un qui. Alors, l'intérêt, c'est quand même que Rafa augmente en termes de dressage et qu'on ait plusieurs personnes. Parce que Narcisse, par exemple, ne progresse pas du tout. Il n'est pas capable du tout. Donc, en fait, il faudrait déjà commencer niveau 3 pour pouvoir avoir quelque chose. Sinon, ça ne progresse pas. C'est ça, hein, faut être au moins niveau 3. Le problème, c'est que des niveaux 3, on n'en a pas beaucoup.
faut arriver à se faire respecter des animaux. Ça, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, la chambre n'est pas propre, donc ça aide pas à faire baisser l'infection, cette histoire-là. Les rations de survie sont faites. Alors attendez, qu'est-ce qui... Un mariage est prévu. Rose a accepté la demande en mariage de Béditoc. À un moment dans les jours ou la saison à venir, ils organiseront leur cérémonie de mariage à laquelle ils inviteront tous les colons. Envisagez le placement d'une zone de mariage si vous voulez choisir l'endroit où la cérémonie se tiendra. Bah, c'est fait déjà. Mais donc on aura notre première cérémonie de mariage dans la colonie, c'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, ce sol-là, avant de partir, faudra le démonter parce qu'il y a de l'argent et du fer, et c'est extrêmement cher. Donc il faut le récupérer, bien sûr. On peut pas se permettre de perdre un sol comme ça. Alors que fait Béditoc en train de dresser Strudel? Ça c'est bien ça. De dresser le cobra à l'attaque. Et quasiment entraîné complètement à la libération d'ailleurs. Hein, 1 sur 2, il va pouvoir permettre à attaquer. Non, dommage, ça a échoué. 24%, c'était pas mal pourtant. C'est pas mal du tout, mais pas suffisant. Oh, on a vraiment pas de sanglier du tout apte bah, pour la reproduction tout simplement, donc c'est un peu gênant. Qu'est-ce que là? Ok, Rose est allée se coucher avec son mari, enfin son futur mari pour le coup, parce qu'ils sont pas encore mariés. Rafa est équipé? Non, Rafa n'est pas équipé. Il va se reposer dans les lits médicaux, d'accord. En termes de santé, oui, il a pris quand même des gros dégâts, hein. Bon, le petit orteil, ça sera bon. Le carthus, ça devrait être bon. Le pied droit, ça devrait être bon. Poumon. Ah, le sanglier a carrément attaqué le poumon droit, quand même. C'est pas fait semblant, le bestiau. Une lait a donné naissance. Ah, est-ce qu'on a un petit sanglier là-dedans? Oui, on a un petit mâle. Et on a un raid aussi. Alors voyons voir, le groupe des pirates se rendre sur les lieux. Pause, 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 pause. Voyons voir, alors, il y a du fusil d'assaut, il y a du couteau, il y a de la mitrailleuse, des lance-balles incendiaires, ça c'est pas bon, des fusils à pompe, carabines de survie, et ça attaque tout par le sud. Ça c'est pas bon. C'était pas l'endroit par lequel on s'attendait à être attaqué, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? C'était pas l'endroit par lequel je m'attendais à être attaqué. Alors, on peut faire un petit trap. Ici un petit trap pour les faire venir en fait en utilisant Béditoc comme tireur. Qu'est-ce qu'il va attaquer? Ok, le marcassin mâle. Mais on avait qu'un marcassin mâle! Bon, on va avoir du mal hein.
Casse-toi, casse-toi. Ah d'accord, oui, bien sûr. Alors ça c'est pas mal aussi. Tu le secours ou comment on fait? Bon, on va perdre la carabine, hein. De toute façon, on va pas avoir le choix, je crois. Est-ce qu'elle peut soigner? Non, elle peut pas, forcément. Est-ce que Rafa peut? Rafa peut pas non plus, c'est génial. Bon bah le Boomaloup a décidé que c'était le moment aussi d'attaquer. Par où est-ce qu'ils vont attaquer ces saligots? Forcément que ça va pas aider cette histoire-là. Bon, on arrive à les toucher ou comment on fait? Ok. Donc, ils nous ont abattu la plupart de nos animaux. Qui est franchement désagréable. On a perdu notre cobra. On a perdu. Alors, on n'a pas perdu nos éléphants. C'était presque le plus important, je dirais. Mais là, c'était pas top quand même, hein. On n'a pas. Il n'y a pas de quoi faire les fiers, hein. On va récupérer un fusil d'assaut, on va récupérer un lanceur, on va récupérer ça. Oh, il y a des blessés là, c'est pas mal ça. Donc on va mettre un mobilier
un lieu de couchage et on va recruter, hein, si on peut. On va regarder ce qui est possible de faire, bien sûr. Capturer. Ça, on déshabille. Par contre, à l'aise. Alors, Valkyrie, est-ce que tu es capable de soigner Bedi-Tok? Non, forcément, Rafa non plus. Tiberians, maladie grave. Ok, Tiberians est en train d'être soigné par Sakura, c'est bon. On va peut-être s'en sortir. 2,3 heures quand même, ça serait bien de, ouais, de finir les soins. Ah oui, d'accord, touché au cœur, oui, c'est pas mal. Pas brillant, pas brillant. En même temps, ils attaquent pas par, par des bons côtés. Bon, va falloir refaire notre source d'animaux, mais... Maladie Tiberians, risque, ok. Prisonnier, alors. Chat and recrute, on va essayer, hein. Toxicomane, gâchette facile, ça c'est pas top. Voix agaçante, optimiste, résistance psychique. Pourquoi pas. Ok, Bedi-Tok, est-ce que tu peux soigner Rafa, s'il te plaît? On va essayer de soigner un maximum de monde, hein. Ça va pas être évident, mais on peut peut-être s'en sortir. En soignant un peu tout le monde. Mettra un chapeau de cow-boy plus tard. Planque. Nous avons la planque de pirate avec des lanceurs de balles incendiaires, une mitrailleuse lourde, fusil à charge, normal et supérieur, des cocktails Molotov, des grenades de MP. Apparemment, c'est un avant-poste ennemi. Qui est pas très loin. Mais pas très loin, ça correspond à quoi? 2,8 jours de marche. Ouais, c'est pas. Pourquoi pas, hein, mais c'est pas non plus ce qui serait le plus rassurant. On va soigner quand même un peu tout le monde. Ouais, là, il y a eu du massacre. Hein. On a perdu tellement d'animaux. Mais bon, on peut s'en sortir, donc pourquoi pas. Y a que Tips hein, qui est vraiment vraiment couché pour le moment, hein, donc ok, à l'aise et complètement guéri, ça c'est une bonne nouvelle déjà. S'ils ont pas plus de boss que ce qu'ils ont déjà, ça me va très bien. Parce que ça n'a pas été glorieux quand même. Alors, Narcisse, jambe gauche en bois, bon, blessure par balle de carabine, perte de sang insignifiante, ça va. Rafa, a quelques blessures. Tibbs, tu as le cou, la clavicule, le torse, l'épaule, le cœur, ouais, ça. Manipulation aucune, oui, je vois pas pourquoi d'ailleurs, c'est plutôt bizarre. Quand on touche le cœur, généralement.
Construction. Qui s'occupe des animaux? Dressage, tac-tac. Ça va passer en deux. Rafa fera du nettoyage pendant un petit temps avant de s'occuper des animaux. Et niveau recherche, on va chercher une capsule de transport. On va repartir sur des recherches utiles pour la suite. Le fait qu'ils aient attaqué par ici, ça nous a pas beaucoup aidé, faut bien avouer. Patte arrière gauche touchée, oh pauvre animal. Il n'y a quasiment pas la possibilité de se déplacer. Par contre, avoir un chat me sert pas, donc on va abattre le chat. Par contre, on n'a que des laits, hein. On a que des femelles, ce qui est pas pour aider. On va enterrer des cadavres. Une balle dans le cœur est toujours en vie. Oui, t'as eu beaucoup de chance d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui ont eu moins de chance que toi. Ok, Rafa est en train de faire tout le nettoyage de la base, enlever le sang, etc. Parce que alors là, il y en a hein, du sang. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas perdu nos éléphants. Donc ça, par contre, c'est une très très bonne nouvelle. On pourra quand même faire nos éléphants de guerre avec le temps. Capsule de cargo s'est écrasée dans le coin avec de la viande. Pourquoi pas? On récupère la viande, le sang s'est nettoyé. Et on a une évasion. Pause. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ils sont tous impliqués. Ça, c'est hors de question. Bedi-Toc, tu vas chercher. Et t'as plus d'armes. T'as plus d'armes, Bedi-Toc. Est-ce que tu as la possibilité de prendre un fusil d'assaut, ça sera parfait. À l'aise. Il y en a une qui s'est échappée, non? Il manque un prisonnier là. Non? D'accord, donc eux ils ont décidé de se faire la malle là. C'est hors de question ça. Non mais sans blague, faire une évasion, mais c'est quoi cette histoire? Bon, Tibbs s'en sort, hein, encore une fois. Je sais pas pourquoi mon jeu saute comme ça, mais pourquoi pas. Par contre, va falloir rééquiper les gens, hein, parce que Alès a une arme, ça c'est bon. Valkyrie n'a plus d'armes, par contre. Je suis désolé, je sais pas pourquoi mon jeu saute.
qui est un désagréable. Ah, ils ont tenté une tentative, une sortie, mais je crois qu'on les a bien calmés en fait. Ce qui est pas plus mal, hein, mais. Et les éléphants sont pas. Ah oui, mais ils ont pas appris à transporter les choses, donc ça aide pas beaucoup. Pour le moment. Jambe gauche, jambe droite. Cerveau, d'accord, blessure permanente par balle au cerveau. Ah! Ça c'est pas bon ça. Parce que ça veut dire qu'on aura peut-être pas. Valkyrie sera peut-être plus utile du tout en fait. Ce qui est pas une bonne nouvelle du tout. Par contre, on n'a plus de plat, on n'a plus rien quoi. Pompage du sang fragilisé, non, sans blague, parce qu'il avait le cœur touché. Vous croyez? Je sais pas. Je me pose la question. Ok, Valkyrie n'est pas plus incapable de marcher. On va équiper son fusil à pompe. On va se déplacer lentement, mais. On va pouvoir. S'arrêter là hein, pour cet épisode quand même. On aura fait du bon boulot. Maladie, infection causée au torse pour Vort. En même temps, sois sérieux. Qui essaye de nous attaquer. Ok, Sakura va aller plus vite. Et Rafa, ça serait bien que Rafa fasse le taf quand même. Hein. Fais du nettoyage, s'il te plaît. Il y a du sang à enlever, etc. Type, ça a de la cuisine à faire aussi. Béditoc est bien équipé, hein, oui, d'une mitrailleuse, donc ça sera parfait. Valkyrie fait le nettoyage aussi, ça c'est bien. Comme ça, ils vont être à deux pour nettoyer tout ça. Et notamment la salle de soins, hein, pour éviter qu'il y ait du sang de partout et que ça foute le boxon. Si ça peut être propre, c'est toujours mieux. Ok, donc ça nettoie, ça nettoie. Par contre, il faudrait recruter un sanglier, hein. Il nous faut un mâle, ça c'est certain. Mais ça n'a pas été rose tous les jours. Hein. Ça c'est une lait. Lait 11 est totalement guéri. On a un petit mâle qui est ici qui va être recruté, donc on va tenter en tout cas. Ouais, ça a été pas évident quand même. Mais là, on aura bien tenu. Le sol est quasiment tout propre. On va pouvoir utiliser encore des blocs de granit. Structure. Granit. Ah, je peux pas.
Ça, c'est casse-pied, ça. Tu veux dire, je peux pas là. Là, je peux. Ok, donc ça m'arrange pas du tout ce que je fais là. Voilà, on va réussir à faire quelque chose au bout d'un moment. De l'ardoise. Tac, tac, tac. Là. Ok. Et on aura déjà une nouvelle zone de protection. Ça n'a pas été évident, mais ça va être bon. Bon, ça c'est Rissa est le plus dur à recruter. Et nouveau raid de la part des pirates. Ça arrive à cocktail Molotov, fusil d'assaut, grenade à fragmentation, fusil de précision. Ah ça tombe bien, on en avait besoin d'un. Et on va laisser Tips derrière parce qu'avec son truc au cœur, ça pourrait être sympathique qu'il ne risque pas sa vie inutilement. Ok, on a déjà abattu un gars. Soigner. Oh, tire dans la tête, ça a dû lui faire plaisir, ça. Ça c'est bon, un animal fou. Un alpaga femelle sera d'accord. Bon, si elle veut. Est-ce que Narcisse a été touché? Oui. Pas de danger immédiat, donc ça devrait aller. Rafa, veux-tu aller te soigner, s'il te plaît? Oh, tu peux même venir quand même. Ah, il bouge chez nous, lui. Ah oui, donc lui, ah oui, oh bien. Donc on pourrait capturer un provocateur. Alors, indolent, vitesse générale travail, ok. Jaloux, bon, il veut avoir une chambre mieux que les autres. Révulsé par les produits stupéfiants. Par contre, il a des choses qui sont pas trop inintéressantes, hein, artisanat, intellectuel, etc. Pourquoi pas. Mais il faut juste lui mettre une. Alors par contre, il y en a un que j'étais pas super fan, tendance toxicomaniaque, gâchette facile, mais il y a des choses intéressantes quand même. Voix agaçante, optimiste. Ça va être une mobilier, un lit de couchage en plus, et si on a besoin de d'organes, et ben on aura notre banque de donneurs d'organes là pour le coup.
Ce qu'on récupère un glaive en métal. Alors, dommage, parce que lui, il a un fusil de précision qui m'aurait bien intéressé. Mais on n'aura pas ça. Bon, bah. Voilà, on se sera bien occupé. Et lui, est-ce qu'il va tomber dans les pommes? Non, pas de danger immédiat, donc il y a peu de chances qu'il décède malheureusement. Donc on aura géré quand même très bien. On aura très très bien géré. Et on va pouvoir s'arrêter là. On va laisser passer enfin, arriver la nuit. Et puis on pourra s'arrêter là. Comme ça, on aura fait du bon boulot. Alors, grill. Prisonnier, aptitude, révulsé, jaloux, indolent. Ça, je suis moins fan, mais on va essayer de recruter et puis on verra en fonction de toute façon. C'est pas grave, ça fait du prisonnier, ça fait des personnes que l'on pourra gérer par la suite, c'est très bien. Et on va pouvoir comme ça augmenter la colonie véritablement, progresser, etc. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Allez, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, partager la vidéo. Et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!